J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo avec les produits Queen A Craft. Donc j'ai réalisé de nouveau deux petites cartes et du coup je voulais vous les présenter. Donc tout d'abord je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. Donc en fond de carte j'ai pris les papiers, donc c'est cette collection là. Donc comme je vous avais dit, il me reste quelques papiers, donc je vais plutôt les utiliser pour faire des cartes. Ensuite, j'ai utilisé cette planche de tampons. Donc ça, c'est plus pour faire les fonds. Cette planche-ci avec les petites fées. Et celle-ci également pour faire un fond. Et j'ai utilisé un sticker donc de cette planche là qui est vraiment très très belle puisque vous avez du doré. Et puis pour agrémenter le tout, j'ai utilisé des demi-perles de chez Action. Donc j'ai pris les teints rose pâle et rose un petit peu plus foncé. Et donc je vais vous montrer la première carte que j'ai faite. Donc là on voit le fond de page de la collection et puis au niveau de mon fond avec le tampon, j'ai tamponné sur du papier, donc c'est une chute pareil de chez Action. Donc là j'ai mis mon petit sentiment sur du papier craft. J'ai arrondi les coins et j'ai fait de la fausse couture. Et j'ai mis du double face. Et là, pareil, j'ai mis mes petites libellules. Pareil, sur du craft. Et puis, j'ai mis un carré de mousse. Et mes demi-perles. Voilà, toute simple mais qui fait tout son effet. Et la deuxième, donc pareil, c'est le papier de la collection. Donc là j'ai mis des tamponnages donc avec ces tampons là. J'ai mis la petite fée, les petites étoiles. Pareil, mon sentiment sur du craft que j'ai mis en 3D. Et mes demi-perles. Donc là, j'ai rajouté la fleur qui est trop trop belle. Donc voilà pour les deux petites créations. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, je vous fais d'énormes bisous, scrapez bien et à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !